Assalamu alaikum, ahlan wa sahlan. Saviez-vous que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam répétait fréquemment cette invocation d'après Enes radiallahu anhu? Mon Dieu, accorde-nous un bienfait en ce bas monde et un bienfait dans l'autre monde et épargne-nous le châtiment du feu. Amin. Commençons notre émission spéciale Ramadan d'aujourd'hui avec un verset du Coran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Il ne t'incombe pas, ô prophète, de guider les hommes vers le droit chemin. C'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Tout ce que vous dépensez en aumône le sera à votre seul profit, puisque vous ne le faites qu'en vue de plaire à Dieu. Et tout le bien que vous faites vous sera largement remboursé et vous ne serez nullement lésé. Sa'ad ibn Abu Waqqas radiallahu anhu rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Celui qui, après avoir entendu le muezzin appeler à la prière, répète cette formule, se verra pardonner ses péchés. » La formule est la suivante « J'atteste qu'il n'y a de divinité qu'Allah l'unique, qui n'a point d'associé et que Mohammed est son serviteur et son envoyé. J'agrée Allah pour Seigneur, Mohammed pour messager et l'Islam pour religion. » Aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance. Tu sais, dans le lait, par exemple, quand tu la fais bouillir, il y a la crème qui apparaît sur le dessus. Et cette crème, elle est très importante, en fait, pour tout ce qui est pâtisserie, dessert. Tous ces éléments-là n'auront pas le même goût sans cette fameuse crème. Et aujourd'hui, on va parler de la crème de la croyance, la foi. On se retrouve juste après. Bienvenue à mes frères. Aujourd'hui, on va parler de la seconde vidéo qui fait partie d'une série de trois vidéos. Donc, on va parler de la foi, ce qui se dit al-iman en arabe. Nous allons diviser cette vidéo en deux parties distinctes. Donc le premier chapitre serait, on va parler de la foi d'une manière générale, on va la décrire. Second chapitre, on va voir qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer cette foi. Dans un premier temps, on va reprendre les bases, c'est-à-dire on va reprendre, pour construire le second degré, on va d'abord parler, on va reprendre du premier degré pour ensuite expliquer mieux le second degré. On a dit dans la précédente vidéo que le premier degré était la plus importante parce que c'est grâce à ce premier degré qu'on adhère à l'islam. Donc adhérer à l'islam, c'est la base, c'est ce qu'on avait dit. Donc une fois avoir adhéré à l'islam, c'est là qu'il faut travailler sur le second degré. Donc c'est ce qu'on va traiter du coup aujourd'hui. On avait dit aussi dans la précédente vidéo que le premier degré, c'était une attestation. La personne qui veut adhérer à l'islam atteste oralement qu'il accepte les cinq piliers, mais on ne sait pas finalement si cette personne croit vraiment. Donc c'est là que le second degré entre en jeu. Dans tous les cas, si une personne atteste qu'elle adhère à l'islam, qu'elle veut adhérer à l'islam, on se doute bien, ça paraît logique, qu'elle a un certain niveau de foi. La base de la foi, elle est là. Parce que si elle n'était pas sincère, si elle n'est pas sincère, alors ça, on ne peut pas le savoir, mais à ce moment-là, cette personne est automatiquement est dans l'hypocrisie. Donc on appelle ces personnes des hypocrites. Et d'ailleurs, il y en avait aussi, au temps de nos prophètes, hein, des personnes qui souhaitaient profiter de l'islam, qui voyaient cette religion se développer, également s'élargir, s'enrichir, etc. Et les personnes qui voulaient profiter de cela, donc avec hypocrisie, ces personnes entraient dans l'islam. En arabe, un hypocrite au singulier, ça se dit munafiq, au pluriel munafiqoun. Petite question, si je suis né musulman et que je pratique comme ça, parce que les gens autour de moi le font, est-ce que je suis hypocrite? Non, il y a deux types d'hypocrisie. Suivant la systématique qu'on a fait dans la précédente vidéo, on a dit qu'il y avait plusieurs degrés de croyance.
de profondeur de foi. Donc si tu te dis que tu n'as pas atteint le degré foi, dans tous les cas, dans ta démarche en tant que musulman, d'être musulman, tu es sincère. Donc on peut dire ici que toi, dans ton cas, enfin c'est aussi un toi général pour les personnes éventuellement qui nous regardent, tu es dans le premier degré. Donc ce qu'il faudrait que tu fasses, c'est faire une recherche, essayer d'améliorer ta foi, essayer de développer ta foi pour approfondir ta croyance dans l'islam. Et d'ailleurs, on va en parler dans le second chapitre. Le second type d'hypocrisie, ce sont les vrais hypocrites, où ces personnes-là n'ont pas du tout l'intention d'adhérer à l'islam. Ils prononcent les paroles d'attestation, mais dans leur cœur, ni dans leurs intentions, ils n'ont aucunement la volonté d'adhérer à l'islam, de devenir musulmans. Eux, ce sont des vrais hypocrites. Et c'est les hypocrites, que Dieu nous en protège, leur châtiment dans l'au-delà serait les châtiments les plus sévères. Pour continuer, chers frères, dans le Coran, avoir adhéré à l'islam et avoir la foi est deux choses différentes. On le retrouve dans la sourate 49, verset 44. Donc je lis textuellement la traduction, bien sûr. Les Bédouins ont dit « Nous avons la foi ». Dit « Vous n'avez pas encore la foi ». Dites plutôt « Nous nous sommes simplement convertis à l'islam, car la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs ». Donc on voit bien ici que dans le Coran, c'est vraiment divisé par deux. Donc il y a le degré adhérer à l'islam, et suite à cela, la foi vient ou se développe. Voilà. Donc c'est bien deux parties distinctes. Je trouve que ça c'est un point important du point de vue où quand tu n'as pas cette connaissance-là, tu pourrais croire que toute personne qui n'a pas la foi, par exemple pour tous ceux qui pratiquent parce qu'ils ont vu ça, tu pourrais croire qu'ils ne sont pas musulmans. Alors ça c'est dangereux. C'est dangereux parce que si tu juges une personne parce que tu penses qu'il n'a pas la foi et donc tu te dis qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, tu donnes un statut de non-musulman à un musulman. Et dire à un musulman qu'il n'est pas musulman, à ce moment-là, tu juges, en fait, tu fais ce qui revient à Dieu. Il y a un hadith sur ça, de notre prophète, alayhi salam, qui dit que si un musulman dit à un autre musulman qu'il n'a pas la foi, à une autre personne qui n'a pas la foi, soit c'est la personne qui l'a dit qui n'a pas la foi, soit c'est la personne à qui ça a été dit qui n'a pas la foi. Mais dans tous les cas, il y a une des deux personnes qui n'aura plus de foi, ou une des deux personnes qui n'a forcément pas de foi, mais dans une position très compliquée. Et là, il faut se repentir dans ces situations-là. Alors, on a vu jusque-là, on a un peu discuté de ce qui était la foi, donc c'était le premier chapitre. Le second chapitre, on va voir ensemble comment on pourrait améliorer cette foi, on pourrait développer la foi. Trois points sur lesquels nous travailler. Premier point, acquérir des connaissances générales. Deuxième point, on va y revenir ensuite sur chaque point. Deuxième point, enlever les doutes. Et troisième point, travailler sur notre personne, sur notre personnalité. Le premier point, donc, je disais qu'il faut, pour améliorer sa foi, développer sa foi, il faut acquérir des connaissances. Comment on acquiert des connaissances? Donc, développer ses connaissances, du coup aujourd'hui c'est tout à fait possible par internet, où vous avez des sites internet, vous avez YouTube, il y a plusieurs chaînes YouTube où il y a beaucoup de choses très intéressantes qui sont dites. Il y a également la boussole, du coup que vous pouvez vous abonner, n'hésitez pas à activer la cloche également. Vous pouvez également commenter, nous répondrons à vos commentaires. On pourrait revenir aussi sur le classique, entre guillemets, ce qui se faisait depuis des millénaires, donc les livres que j'ai devant moi. Le livre que tout le monde, en tout cas, devrait lire, mais spécialement en particulier les musulmans, le Coran. Le lire en arabe, c'est déjà très bien. Ça ne développe pas nos connaissances, mais ça nous aide spirituellement, en tout cas. Parce que de toute façon, on est obligé de le lire et de l'apprendre en partie pour faire les prières. Mais il faut également essayer de faire toujours avec un esprit critique, que ce soit dans les vidéos ou dans les lectures, dans les traductions du Coran en arabe, avoir un esprit critique des traductions qui sont faites. Alors du coup, après ça, donc, lire les commentaires, c'est une bonne chose, c'est un premier niveau, ça sert à acquérir des connaissances. Mais le plus important, effectivement, c'est de comprendre. C'est de comprendre ce qui est écrit, c'est de comprendre le sens. Et pour cela, ensuite, il y a également des exégèses qui sont écrites par des savants. Dans les exégèses, il y a une série
d'autres livres que je pourrais vous conseiller, c'est Siri Risale Nour, écrit par Saïd Nursi. Ensuite, tous les livres de Hoxha Effendi peuvent être lus. Là, aujourd'hui, devant moi, j'ai par exemple Les collines d'émeraude du cœur. Pareil, je l'ai lu en turc, je ne l'ai pas lu en français. Donc, ces livres servent à développer nos connaissances pour améliorer notre foi. Donc, on a dit que ça, c'était le premier point pour développer notre foi. Le deuxième point servirait également à retirer tout ce qui peut rester flou, des questions qui peuvent rester en suspens dans notre esprit, même si ça ne nous empêche pas d'avancer dans la foi. Parfois, il y a des questions qui nous restent en suspens dans notre esprit. Supprimer le flou rendre notre foi plus nette pour qu'on ne puisse pas avoir d'obstacles à avancer. Est-ce que tu peux nous donner un exemple? Je crois que je n'ai pas bien compris. Oui, absolument. Alors, par rapport à un doute qu'on peut avoir, ou si c'est un flou, un questionnement qui nous est resté dans l'esprit? Parce que c'est deux choses différentes, même trois choses du coup. Avoir un doute, parce qu'on peut avoir la foi, on peut ne pas avoir de problème avec notre croyance, mais il peut, bien sûr, une question peut nous venir à l'esprit sans forcément nous bloquer. Du coup, à ce moment-là, il faut rechercher le pourquoi du comment. Tiens, par exemple, est-ce que tu pourrais me donner le livre qui est juste devant toi? Donc là, on recherche l'information, c'est ça? Là, donc, ce qu'on va faire, effectivement, c'est rechercher l'information. Même si ça ne nous dérange pas spécialement d'avoir cette question à l'esprit, et que ce n'est pas du tout gênant d'avoir une question à l'esprit pour la foi, ce n'est pas gênant. Idéalement, c'est bien de pouvoir quand même répondre à ces questions. Alors, une petite question, rapidement, qui peut être donnée alors, dans le livre « Questions et réponses sur l'islam, volume 1 » de Mohamed Fethullah Gulen. Alors, on a une question ici qui est répondue assez brièvement, rapidement, page 201. Comment l'ange de la mort prend-il les âmes? On peut se poser la question comment il prend les âmes, car il y a beaucoup de personnes qui perdent en même temps, qui meurent en même temps, qui décèdent du coup. Comment fait-il si une personne, par exemple, n'a pas la connaissance? On peut se poser la question de comment l'ange fait pour être à plusieurs endroits en même temps, et à des endroits qu'ils ont plusieurs dizaines de milliers de kilomètres de différence. Il est dit ici, très rapidement, que les anges sont faits de lumière. Donc ça, c'est une connaissance, une information qui nous vient, qui permet de nous éclairer et d'améliorer notre connaissance, ce qui fait que la foi, en même temps, avance. Les anges sont faits de lumière. Ils peuvent être, par conséquent, n'importe où et simultanément. Donc ils peuvent accomplir beaucoup de tâches au même moment. Par conséquent, Azraël, donc l'archange, peut être simultanément à des millions d'endroits sans la moindre confusion. Voilà, donc après ça détaille encore, c'est un petit paragraphe, mais on peut voir ici, ça répond à la question. Ça répond à la question du coup par rapport au deuxième point qu'on a vu. Là, c'est une recherche spécifique qu'on a fait pour nous libérer, entre guillemets, d'une question qui peut nous trotter peut-être dans la tête. Dans la sourate 21, verset 7, il est dit en arabe, فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. Une des traductions en français, ce serait « interroger les savants si vous ne savez pas ». Voilà, donc en fait, on a aussi la responsabilité de, si nous avons une question, alors doute ou question ou flou, d'aller chercher la réponse, d'avoir cet acte de recherche. Ça fait partie de la responsabilité d'un musulman. Troisième point, faire un travail, donc on est toujours sur comment améliorer notre foi, et développer notre foi, il faudrait faire un travail sur notre être, sur notre personnalité, pour améliorer nos qualités. Et du coup, au mieux, le plus possible, effacer nos défauts. Généralement, c'est surtout sur les défauts qu'on essaie de travailler. Un grand défaut classique, par exemple, l'orgueil, l'égoïsme. Il y a encore beaucoup d'exemples qu'on pourrait donner. Si une personne a de l'orgueil, il y a un hadith qui dit qu'une personne orgueilleuse ne peut pas aller au paradis. Voilà, phrase simple, mais poids lourd. Donc, un des grands points sur lesquels un musulman doit travailler, c'est l'orgueil. Souvent, en entreprise, avant d'être embauché, ou même pendant qu'on est dans l'entreprise, les ressources humaines nous font passer des tests de personnalité pour pouvoir progresser. Est-ce qu'un musulman devrait de temps en temps s'auto-critiquer et de manière régulière pour progresser sur ses défauts et ses qualités? Bien sûr. Chaque musulman devrait au moins, une personne qui veut vraiment travailler sur sa personnalité, devrait au moins s'auto-critiquer tous les jours,
une fois par jour. Et au mieux, alors pour les personnes qui ont des postes importants, c'est plus facile d'être orgueilleux à ce moment-là, où on est patron, où on dépend de plusieurs personnes. Donc l'orgueil peut se développer super vite. Ces personnes-là, idéalement, ce serait même bien de se remettre en question, de se dire à soi-même, de se rabaisser en fait. Concrètement, c'est ce qu'il faut faire. Il faut remettre les choses au point, dire que si nous nous rappelons que nous sommes simplement un humain, nous sommes simplement un sujet de Dieu, que malgré le fait qu'on ait des statuts différents dans le travail, on est tous des hommes, on a tous le même niveau en face de Dieu, que c'est seulement au niveau de la foi qu'il y a des différences, il y a des différents niveaux, qu'on pourrait toujours argumenter là-dessus. En faisant cela, ça pourrait aider une personne, ça aidera une personne à travailler sur son orgueil et faire en sorte qu'il soit de moins en moins orgueilleux et idéalement ne plus avoir quasiment plus d'orgueil. On a parlé du troisième point, on va donc finaliser cette vidéo. Suite au troisième point, dans l'esprit de ce qu'on a dit dans l'intro, une personne qui travaille sur soi-même, c'est compliqué. Acquérir la foi, ce n'est pas du tout facile, c'est vraiment un travail profond à avoir, sinon ce serait trop facile. Pour cela, il faut transpirer un peu, il faut se faire violence comme il est dit par les psychologues. Et d'ailleurs, physiquement, faire un changement sur soi, faire un travail sur soi, ce n'est pas qu'une violence psychologique. Physiquement aussi, c'est dans le cerveau, les scientifiques ont remarqué que c'était également qu'il y avait une violence, un ressenti physique dans les changements d'habitude. Et c'est en fait en se forçant à faire ce genre de choses, par analogie avec ce qu'on a dit dans l'intro, quand on fait bouillir le lait, la crème apparaît. Là, du coup, quand une personne se force, la foi, la crème de la croyance apparaît. J'espère que cette assise vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner, à ouvrir la cloche de notification et à liker la vidéo. Portez-vous bien. À la prochaine. Aïcha, radiallahu anha, rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'adonnait à la retraite pieuse, el-itikaf, pendant les 10 derniers jours du mois du Ramadan, et ce, jusqu'à sa mort. Par la suite, ses épouses en firent de même. Qu'Allah nous accorde d'en faire de même aussi. Durant ces 10 derniers jours du mois du Ramadan. Nous allons maintenant écouter El Jawshan El Kabir. Ya Zal Hamdi Wassana. Ô celui à qui tous les remerciements et toutes les louanges appartiennent. Ya zal majdi wassana. Ô détenteur de toute gloire, de tout honneur et de toute grandeur. Ya zal fakhri wal baha. Ô celui qui mérite d'infinis éloges, détenteur de toutes les grandeurs et de toutes les beautés. Ya zal ahdi wal wafa. Ô celui qui est capable de tenir ses promesses et qui les exécute de la plus belle manière. Ya zal afwi wal rida. Ô celui qui pardonne et agrée ceux qui demandent le pardon et l'agrément. Ya zal manni wal ata. Ô celui qui donne d'innombrables dons et faveurs à ses créatures. Ya zal fasli wal qada. Ô celui à qui appartient l'exécution de chaque jugement et la résolution de chaque affaire. Ya zal izzati wal baqa. Ô celui qui est sans fin et éternel, en plus d'être infiniment digne. Ya zal joudi wan na'ma. Ô celui qui accorde avec générosité ses bienfaits. Ya zal fadli wal ala.
Ô notre Seigneur qui distribue ses bienfaits et ses biens sacrés sans rien attendre en retour. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار. Gloire à toi, ô Seigneur, pas d'autre divinité que toi, nous implorons ton secours, protège-nous de l'enfer. Saviez-vous que plus nous sommes disciplinés intellectuellement et spirituellement, plus nos pensées et nos actions sont constantes et harmonieuses? Et plus notre conscience est ouverte sur l'au-delà, plus nos manières sont inspirées et guidées par le divin. Nous allons maintenant passer à notre séance de développement personnel. Mes chers frères et sœurs, on se retrouve pour quelques minutes de développement personnel. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble un sujet très intéressant qui est l'honnêteté. Nous allons le voir sous trois angles différents, l'honnêteté du discours, l'honnêteté du caractère et l'honnêteté dans les affaires. Alors en tant que musulmans, nous devons faire preuve de transparence, et ça à tous les niveaux, que ce soit au niveau personnel ou professionnel dans les affaires, etc. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a été très attentif au fait que les enfants prennent cette règle d'éthique qui est de dire toujours la vérité. Et pour empêcher les parents de faire l'erreur de mentir à leurs enfants ou d'être avec eux de manière malhonnête d'une façon ou d'une autre, le prophète, il a enseigné des principes généraux propres à guider dans les relations entre les parents et les enfants. Par exemple, il a dit qu'il était inacceptable, quelles que soient les circonstances, d'induire en erreur ou de tromper des enfants. Ou encore, il a mis en garde les parents contre toute forme de négligence dans leurs relations avec leurs enfants. Et là, à travers un hadith rapporté par Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quiconque dit à un enfant, viens ici, je te donnerai quelque chose », pour ensuite ne rien lui donner, devra rendre des comptes d'un mensonge. Deuxièmement, mes chers frères et sœurs, l'honnêteté du caractère. Et oui, tout musulman, toi et moi, mon cher frère et sœur, nous devons être conformes, que ce soit au niveau de notre intérieur et notre apparence extérieure. Donc c'est-à-dire que ce qu'on vit à l'intérieur de nous doit être exactement ce que nous reflétons, et pareil, ce que nous reflétons devrait être la même chose que ce que nous pensons. On doit également nous abstenir d'utiliser des paroles ou des propos blessantes. On doit également s'abstenir des sentiments ou des pensées mauvaises ou haineuses. Et là, mes chers frères et sœurs, on voit à travers un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Quelqu'un dont le cœur n'est pas correct ne peut avoir une foi correcte. Si la langue ne dit pas la vérité, le cœur ne peut pas être vertueux. Et si les voisins de cette personne ne sont pas hors de tout danger en ce qui la concerne, elle ne pourra entrer au paradis. » Ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseigne ici, c'est que la langue et le cœur doivent être en cohérence l'un avec l'autre, et que l'un comme l'autre doivent exprimer l'honnêteté. Donc là, on voit à travers que ce hadith qu'il faut être tout à fait transparent et que nous devons tout à fait être honnêtes avec notre intérieur et notre extérieur, notre apparence. Troisièmement, mes chers frères et sœurs, l'honnêteté dans les affaires, tout musulman doit être attentif à ne jamais tricher pour tromper les autres, pour un profit plus grand ou pour toute autre raison, c'est-à-dire faire du présentéisme ou tromper dans les affaires. Et là, on voit à travers un hadith rapporté toujours par Abu Huraira qu'un jour le prophète vit un homme vendre un tas de blé. Il mit la main dans le tas, donc dans le tas de blé, et constata que le dessus était sec, mais que le dessous était humide. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il demande au vendeur « De quoi s'agit-il ? » Le vendeur répondit « C'est la pluie qui l'a mouillé. » Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond de cette façon « Tu ferais mieux de mettre le blé humide sur le dessus. » Celui qui triche avec nous n'est pas des nôtres. Donc là, on voit à travers ce hadith, mes chers frères et sœurs, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam accordait également une forte importance à l'honnêteté dans les affaires. Et donc, aujourd'hui, nous devons faire de même, que ce soit à l'école, que ce soit au travail ou à travers les différents commerces que nous avons. J'espère en tout cas que ces rappels ont été très utiles pour vous. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. En accord avec la valeur de l'humanité et en prenant en considération le cœur, l'esprit, l'intelligence et le corps humain, le Coran est descendu des hauteurs les plus hautes. Contenant les messages les plus parfaits, c'est aussi un recueil de lois divines. Nous allons maintenant écouter un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'existe aucune
maladie pour laquelle Allah n'ait pas créé de remède. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé bien des années auparavant, dans un désert où il n'y avait ni scanner, ni IRM, ni laboratoire d'analyse, qu'il n'existe pas de maladie incurable. Ainsi, Allah subhanahu wa ta'ala a créé un remède pour tous les maux, les virus, les bactéries et les infections. Tandis qu'au Moyen-Âge, on ne pensait jamais pouvoir soigner la lèpre, et il y a encore quelques siècles, des populations entières ont disparu à cause de la peste ou du choléra, notre prophète annonçait ce qu'Allah lui avait enseigné. Et au fil des siècles, nous nous sommes rendus compte que les chercheurs ont trouvé les remèdes et que beaucoup de maladies mortelles sont éradiquées ou très facilement traitées. C'est une source de réconfort pour les malades qui comprennent que personne n'est condamné par une maladie, sauf si Allah en a décidé ainsi. Et une source de motivation pour les chercheurs et les médecins. Le remède existe, à vous de le trouver. Maintenant, écoutons les beaux noms d'Allah Azza wa Jal. Ya Jamil, Ya Allah, Ya Qareeb, Ya Allah, Ya Mujib, Ya Allah, Ya Habib, Ya Allah. يا رؤوف يا الله يا عطوف يا الله يا معروف يا الله يا لطيف يا الله يا عظيم يا الله يا حنان يا الله يا منان يا الله يا ديان يا الله يا سبحان يا الله يا أمان يا الله يا برهان يا الله يا سلطان يا الله يا مستعان يا الله يا محسن يا الله يا متعالي يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا كريم يا الله يا مجيد يا الله يا فرد يا الله يا وتر يا الله يا أحد يا الله يا صمد يا الله يا محمود يا الله يا صادق الوعد يا الله يا علي يا الله يا غني يا الله يا شافي يا الله يا كافي يا الله يا معافي يا الله يا باقي يا الله يا هادي يا الله يا قادر يا الله يا ساتر يا الله يا قهار يا الله يا جبار يا الله يا غفار يا الله يا فتاح يا الله Nous avons terminé notre émission spéciale Ramadan pour aujourd'hui. N'oubliez pas que nous sommes dans les 10 derniers jours de ce mois béni, alors essayons d'en profiter au maximum. Je vous souhaite dès maintenant un bon ftour et à demain.